Verdict. De voir si ça passe. On va chez Lorraine ce soir? Tu as pris combien? 77,3. Détail. Oui, voilà, c'est qu'un détail. Le principal, c'est de décoller. Exactement. Bon, bah, à demain. Bon, à demain. Hein. Oui, ouais. Bisous. Salut. Hier, j'ai un collègue qui est venu chercher mon canapé et ma map télé qui fait 2 mètres de long sur la route. On était sur le tram. C'était drôle. Nous sommes à 24 heures du décollage. J'ai encore quelques trucs à faire et je rejoins après Laura en ville. Après, je vais donner Romy chez Lorane. Bonsoir. Enchantée. Qu'est-ce que vous faites à Orléans? Columbus, je ne connaissais pas, dans le sud il n'y en a pas. Voilà. On s'est retrouvés après combien de temps là? Depuis 2015 je crois, 2016 je sais pas. Oh là là mon dieu. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Oui, chacun fait son bout de chemin mais c'est beau. Voilà, la nordiste, la sudiste. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Mais je m'appelle Laura tout comme elle. Déjà, premier point. Et on a presque la même vie en vrai, enfin genre, comment dire. On a arrêté l'école d'infirmière au ensemble, même moment. Et c'est les mêmes aventures, la même vie. C'est vrai, voilà. Même prénom, pareil. Pendant 15 jours, on va être séparées toutes les deux. Mais je sais qu'elle est entre de bonnes mains. Et la Romy. Mon amour. Oh non. Romy. C'est moi le sinon Bon, ça fait quoi? C'est super prêt là! Tu veux te voir dans le retour? Vas-y! Oh, c'est chelou! Oui. Nouvelle maîtresse de Romy. Ça fait quoi d'être la nouvelle maîtresse de Romy? C'est génial. C'est vrai? J'adore. T'es contente? Quoi? Eh, hey, tu peux pas nous laisser vlogger tranquille? Non, mais j'ai besoin de vous là. La place des femmes, c'est à la? Oui. T'es sûre? Non, c'est pas vrai. Hein. T'es sûre? JF, il va nous chercher à manger. Oh, Romy, elle est trop chou. Mon bébé. Désolée, Laura, mais je pense que Romy, elle sera mieux chez moi. Maison. Oula. Les femmes à la cuisine. Il y en a qui vont être contents. Ouais, on pense à vous, les garçons. On va mettre vos arrobas. Les couillons. Du sel. Ah oui, c'est ça, ouais. Paprika, non? Je sais pas, je crois que ça pique. C'est même. Stylé. Des grosses bananes. De ouf. Je suis choquée, hein. Mais ouais, c'est ça, les bananes pour l'instant. C'est gros, hein. C'est ouf. Eh, mais je t'ai pas dit. Des bananes. Oh. Voilà. C'est le grand jour. Je suis levée à 8h pour faire les derniers rangements, un petit brin de ménage. Après je vais à l'anniversaire de mon père tout à l'heure. Et après je reviens ici chez moi et on va rouler. En route, mauvaise troupe. Thème tenue blanche avec une petite touche de vert. C'est parti. C'est une vidéo, hein. Ah bon? Ah bon? Ah ouais. Tu veux raconter alors, un bon truc. Voyage alors. Puis, on dure doucement dans l'avion. Mais c'est attention. Pas moi qui conduis l'avion. Ah, et c'est parti. Bonjour Laurent Seigre, un point sur l'actu marqué par la peur du Covid et les restrictions. Le DJ. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? On arrive bientôt, non? Ouais, très bientôt. On va à Orly. À Orly? Orly, ouais. Prends son train. Non. Son avion. T'es bête. Prends le train pour aller en France. Apparemment. apparemment. Moi j'ai pas dit ça, c'est toi qui as dit ça. Non, c'est toi qui as dit ça. Non. C'est dans la boîte, check. Non. Bon, on va à Orly là. Normalement, on est pas loin. On a Rungis. Donc normalement, dans 10 minutes, on arrive à Orly. Et puis embarquement prévu à 14h30. Merci beaucoup à notre chauffeur. Ah oui. C'est un fouteux. Un joueur professionnel, oui. Il y a la conférence. Il va
Non, tu joues où? On t'a dit, c'est un secret, wesh. Mais que... arrête, secret de quoi? Tu joues où? C'est un secret. J'ai retrouvé Gilles. On est en bas pendant une heure. Il y a vraiment des gens qui montent avec ça dans leur bagage, dans l'avion. Toulouse, c'est 18. Par là, Gilles. Bon voyage. Oh là là. Oh mon Dieu, ce couloir, il m'avait manqué. Je souris sous mon masque. C'est parti. Je suis navré, ça devrait prendre une petite dizaine de minutes, me dit-on. Voilà pour toutes mes excuses et merci pour votre patience. Nous sommes arrivés à Toulouse et nous allons embarquer pour notre deuxième avion, Toulouse-Sigaris. Bienvenue à Toulouse. L'aéroport est vide par rapport à Orly, ça fait très bizarre. Il n'y a pas un chat. Orly, on s'entendait même pas parler. Ah là 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 là, on arrive, petit avion, on est en retard. Oh là 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 là, et les escales, c'est bourbier. C'est good. Deuxième avion, ah purée, deuxième décollage, deuxième atterrissage. Oh là là, c'est bon. Et ça, deux fois en 4 heures, c'est quand même stylé, hein. Montage. On a failli pas avoir l'avion. C'est ça, wesh. Regardez vos chaussures. 18h51. Ça décolle. Moi, une fille arrive à tout mon voyage. Ça va à côté de moi. Et là, on se vole à destination de Figaris et de Corse. Et on voit parmi nous. Il y a plein de bébés dans l'avion. Il est gros, lui. Mais c'est pas un avion pour mettre des gens, ça. Ça peut faire pareil pour les amateurs, un Antonov 124. Ah, c'est ça que le monsieur l'a dit. Un appareil qui se charge par l'arrière et par l'avant, le cockpit venait se mettre. AH-124. Ça, c'est pour Pierre-Antoine, le fan des avions. Bah voilà, je te dirais que j'en aurais vu un. C'est stressant. Oh. À Toulouse, c'était la galère parce que mon antigélique il avait plus 48 heures. Bon, moi j'ai compté 48 heures à partir du décollage de Orly. Elle me dit, mais non, il fallait compter aussi les décollages. Je dis, oui, mais moi je pouvais plus faire un antigélique à 18 heures chez moi. Enfin, c'était fermé les pharmacies, tout ça, et les rendez-vous. On a négocié fort et tout, et c'est bon, j'ai enfin pu partir. Mais quelle galère! J'annonce clairement que je vais pleurer quand je vais voir la Corse. C'est sûr et certain. Ajaccio, je suis la bûche. Là, la maison, un petit peu là-bas, là. Sigari. I think I'm in love. J'ai pas atterri à Figaris depuis très longtemps, très longtemps. Il est 19h55 à Figaris, la température est de 38 degrés. All this waiting got me lifted, pour four and then I finished tonight. I told my mama that I'm with it, got it solid like this, my kitchen, middle finger. C'est chercher la voiture. On trouve pas. En 2 minutes, il y a plus de soleil.
Yes! Bah, les couleurs. Ouais, c'est incroyable. J'aime bien ce vert. Ça conduit la voiture, ça rigole pas, hein. Moi j'ai peur, mais. Non, tout va bien. 190, tout va bien. Les clignotants, elle connaît pas. Si, arrête. Les radars, Non. On se fait prendre en photo à chaque radar. Elle est contente, tout va bien. T'es prête pour la montée? Yes, doucement. Oui, t'inquiète. Cavou. Cavou. Okay. Oh putain, la côte. Oui, c'est pour ça, t'es prêt, hein. Ouais. Et un sanglier. La maison, elle est là, à droite. Juste là, c'est celle que tu vas dépasser, là. D'accord. Là, il y a des arbres en plein milieu de la route. Coucou! Wow. Ah, c'est beau le jardin! Wow. On est arrivé! J'ai saucisson dans la bouche. T'es contente de me voir? Bon, non. T'as vu, t'es blanche? Hein? Oui, je suis toute blanche, ouais. Oh là là! On a un invité ce soir. Scarabée, mais regarde, il ressemble à un rhinocéros. C'est la nature. C'est la nature, elle est. C'est pas du tout mal. Tu vois, Laurent. Ah. Il y a une autre grosse là. Oh, bon. On est en Australie ici ou on est en Corse? Bah oui, en Australie. Bonsoir.